ce que vous retenez de... Donc, il y a des filtres, voilà. J'ai retenu quelque chose, quelques idées, quelques lumières. Je m'excuse d'emblée parce que je pense qu'il y a dû avoir des écarts, peut-être ça a été vite fait tout ça, donc peut-être des incompréhensions, mais voilà, je vais quand même essayer de vous partager ça. Donc on a, ce qui était intéressant, je trouvais, dans la programmation entre le prélude et le festival, c'est qu'on est parti de l'autre côté des continents. Donc on a arpenté le Ladakh, puis l'Amazonie, pour après se recentrer sur les territoires plus alpins, carrément, et les problématiques des parcs, de la préservation des forêts. Mais donc mardi, on était avec Nicolas Tournard, le réalisateur Nicolo Bongiorno, pour l'avant-première d'un film assez bouleversant, réalisé au Ladakh, donc Song of Water Spirit. Mon italien est parfait. Où le toit du monde a été filmé comme un laboratoire, un peu entre passé et avenir, et vraiment avec une idée de montrer, enfin Nicolas, et grâce à la connaissance aussi de... Non, Nicolo, grâce à la connaissance de Nicolas Tournard, sur ces différentes cultures, et après, avec ton expérience longue au Ladakh, il y a vraiment un ensemble et un nombre incroyable de communautés qui travaillent d'une façon ou d'une autre, tous dans le même sens, c'est-à-dire à qu'est-ce qu'on peut faire face à ce toit du monde qui s'écroule, et où on voit bien comment ce film montre que ce qui se passe là-haut, ça montre en fait à quel moment de bascule nous sommes vis-à-vis de la préservation de la biodiversité, des glaciers, mais donc aussi de la présence de l'homme. Donc là-bas, tout est réduit à son essence la plus fine, où la fonte des glaciers met vraiment en péril la présence de l'homme. Tant ici, on peut faire des marques, le rendre d'une façon mathématique et mesurée. Là-bas, c'est vraiment la préservation des villages et des dernières communautés. On a découvert aussi l'écolinguistique. Je pense que c'est le début d'une grande aventure pour mêler justement, pour entremêler la chute. On voit bien, Nicolas, peut-être tu pourras nous en parler, mais l'extinction des langues en fait est complètement liée à l'extinction de la biodiversité, et où la découverte que perdre une langue, c'est perdre la connaissance de notre environnement, des pratiques. Ça va de pair. Ça va de pair. Voilà, ça c'est quand même passionnant. Qu'est-ce qu'on a découvert aussi avec ce film? La forte mobilisation donc, des autochtones, où certains sont partis étudier. Il y a une jeune femme qui a réalisé qu'elle pouvait être juriste et donc protéger la nature. Et donc elle est partie faire ses études. Bon, elle était de l'Himachal Pradesh, c'est des régions voisines, pour revenir. Donc là, il y a une mobilisation locale et pas seulement gouvernementale. Et ça passera sans doute par les autochtones. Les écoles aussi, une école incroyable, un peu l'école de la deuxième chance. Finalement, parce qu'effectivement, il y a des échecs scolaires, forcément. Avec peu d'écoles, il y a eu des idées incroyables de reconvoquer les cultures millénaires et aussi le retour vers les savoir-faire. Et là où on voit, pareil, interroger la culture ancestrale pour se repositionner, se dire mais comment on peut travailler autrement, en tout cas récupérer notre connaissance. Voilà, donc ce film nous a montré l'importance de ces chaînes humaines, parce que ça a été vraiment filmé d'une façon très... ça peut sembler... Je vous invite d'ailleurs, c'est une avant-première, dans le film sort en janvier. On voit comment tout est relié, en fait. Et ça, c'est une belle expérience. Donc après, dans le débat, Nicolo et Nicolas nous ont invités à la sobriété, et on a tous ensemble réfléchi là-dessus. Et comment rester optimiste et amorcer chacun sa transition. C'était plutôt émouvant, là. Alors, jour 2, grand voyage, cette fois, dans la forêt amazonienne, dévoilé par un de ses spécialistes, donc Stéphane Rosten, qui était là jusqu'à hier, je crois.
Je pense qu'il y a ses bouquins encore. Donc, il nous a remis quelques points sur les îles d'Amazonie et nous a décrit vraiment une autre réalité au-delà des mythes et des préjugés occidentaux qui entourent cette forêt et les peuples. Donc, bon, évidemment, on avait peut-être pu comprendre qu'elle n'était pas vraiment vierge, que les habitants n'étaient pas féroces et surtout qu'ils n'étaient pas sans histoire. Donc, c'était, il nous a vraiment levé la canopée et nous a montré 13 000 ans de. Occupation, et surtout comment la présence de ces différentes, on va pas dire tribus, je sais pas, ethnies, ouais, participaient de par leur même avec l'agriculture à participer de l'enrichissement de la biodiversité des sols. Et avec tout ce qu'on entend ici, finalement, quand on revient, on nous montre des cartes, enfin, je trouve que c'est bien de mettre ça en parallèle avec l'impact de l'agriculture, l'agro-pastoralisme sur nos forêts ici, enfin, ça questionne sur la présence humaine, sur la place de l'homme dans la nature. Finalement, après, quand on est revenu en Occident, je vais me répéter un peu, mais on a de nouveau posé cette binarité, quoi, homme-nature. Alors que ben, au Ladakh et en Amazonie, il n'y avait pas cette binarité, quoi. Et ça, c'était vraiment. Je pense qu'il faut le garder, quoi. Il y a quelque chose à garder, me semble-t-il, de ça. On verra ensemble. Hein. Voilà. Donc la forêt là-bas, c'est pas le lieu du sauvage, vraiment pas. Bien au contraire, c'est le lieu des cultures. Et ben, c'est l'arrivée de l'activité industrielle qui est sauvage. Donc il y a un inversement des pôles. Oui. Voilà, jour 3, donc, avec les lecteurs de l'association, nous avons plongé donc, dans la barbarie de la justice des hommes, à savoir la peine de mort. Donc c'est tombé mal, mais ça tombait bien, parce que c'était son abolition. Donc où la lutte contre la barbarie est apparue pour couvrir une part des plus sauvages de l'homme, donc supprimer la vie. Donc c'est ce qu'on a fait sur les hommes, en plus sur la biodiversité. Donc il y a eu le discours, il y a eu la lecture du discours poignant de Robert Badinter, donc lors du vote de l'abolition, puis des extraits du dernier jour d'un condamné à mort, donc l'œuvre de Victor Hugo, donc qui a été mise en musique, accompagnée par un quintet à cordes qui nous a joué La jeune fille, la mort de Schubert, je crois, je ne l'ai pas noté. Et là, ce qui était plutôt foudroyant, c'est de voir à quel point le sauvage pourrait être peut-être compris, saisi et transmis. En fait, l'homme a besoin de cette beauté et de l'art, et on l'a dit aussi aujourd'hui, de la poésie. Donc même se relier aujourd'hui et se parler, ben, c'est quelque chose qui peut être sacralisé quelque part. Et c'est sans cette... enfin, en tout cas, avec l'œuvre de Schubert, l'œuvre était poignante, et nous a fait d'autant plus percevoir la sauvagerie humaine, quoi. Parce que c'était vraiment le propos. Donc voilà, on trouvait une grosse émotion nécessaire quoi, pour la compréhension et la perception de cette sauvagerie humaine. Après, petit passage vendredi à la maison du musée, où Julie nous a lu des rapports judiciaires assez incroyables de la vallée, donc qui dataient du 18e, qui nous dévoilaient le niveau de violence au quotidien dans la vallée. Et ce qui était assez impressionnant, c'était de voir comment la civilisation parfois recule, donc la civilisation en cause de sauvage, où les femmes considérées comme des êtres à protéger, finalement la justice écoutait et rendait justice aux femmes d'une façon plus rapide et en confiance par rapport aux problèmes judiciaires que les positions de femmes victimes de viol aujourd'hui subissent dans les commissariats. Où finalement on leur demande encore si elles ont pris du plaisir, alors que là, à peine un homme tourné autour d'une nana, il pouvait être 10 jours après incarcéré. XVIIIe siècle. Voilà, donc ça c'était pour le prélude, et je passe la parole à Annabelle qui va nous dérouler sur ses feuilles de lycée. Alors, juste avant, on ne s'est pas présenté. Ah oui. Si, Annabelle et Catherine, d'accord avec vous. Donc, moi, je suis l'animatrice de Radio Verdon à Castellane. Donc, à partir du lundi de la rentrée, vous pouvez m'écouter tous les matins en direct à 9h30. Oh, voilà. Et moi, lorsque les organisateurs de Feuilles d'automne m'ont parlé du sujet de la part du sauvage, il y a maintenant 15 mois, 16 mois, un truc comme ça,
Moi, j'ai entendu notre part de sauvage. Hein, savoir pourquoi j'ai entendu ça. Alors, je m'attendais plutôt à un film comme Les Nouveaux Sauvages, ce super film argentin où tu as une demi-douzaine de personnes qui pètent un plomb parce qu'ils se retrouvent toutes dans des situations complètement folles. Et c'est le sauvage en eux qui va ressortir. Et évidemment, ben, le sauvage, il crée pas mal de dégâts. Alors, il s'est avéré qu'on n'en a pas du tout parlé. Lors de la lecture débat hier, dans les textes qui ont été choisis, il y a eu pas mal de propositions de textes qui tournaient autour du sauvage comme étant l'autre. Alors autant l'autre vous, ou l'autre qui est un intérieur de soi. Et alors bon, le sauvage, dans les premières définitions, hein, comme en tant qu'individu, c'est un être qui n'a pas d'âme déjà, hein, alors, un peu comme les femmes, pareil. Qui est de couleur, qui a une religion, une culture un petit peu louche. Hein. Ça, c'était les premiers sauvages. Et donc, est-ce que, la question que moi je me suis posée lorsque on a entendu ces textes-là, c'est est-ce qu'on n'était pas un peu jaloux de cette sauvagerie qui était synonyme de liberté? Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a essayé de la museler, cette sauvagerie-là. Bon alors, toujours est-il que lors de la lecture, on nous a glissé que peut-être pouvait y avoir une sauvagerie utile à travers la Déclaration des droits de l'homme, les gilets jaunes, les ZAD. Et tu voulais d'ailleurs nous proposer la lecture d'un des textes qui a été proposé hier, texte de Extinction Rébellion. Que je n'ai pas lu. Nous n'avons pas peur de dire que l'humanité se dirige vers une extinction. C'est beaucoup plus fort que certains slogans qui parlent gentiment de hausse des températures. J'ai le sentiment qu'on ne prend pas les choses à la hauteur des enjeux. La base du militantisme, c'est de dire la vérité. Le vivant est en train de s'effondrer et nous ne pouvons pas mentir aux gens. Nous n'arriverons à rien en restant dans le cadre légal qui restreint notre capacité à changer les choses. Assumer d'aller au conflit, à ramener du monde dans les groupes autonomes. Alors qu'on pensait que le mode d'action violent faisait peur. Pardon. Aujourd'hui, les paroles bienveillantes ne suffisent plus. Il faut heurter pour passer du stade de l'indignation à l'action. Tu as une idée? C'est simple, rapide, efficace. Et surtout, ça sert à quelque chose. Tu ne passes pas des plombes à jacasser au bistrot. Il y a deux types d'actions, toujours non violentes. Des actions symboliques qui permettent de sensibiliser les gens et des actions de perturbation et de blocage. On est sur une stratégie d'escalade. On recommence jusqu'à ce qu'on y arrive, sans violence et sans dégradation, sauf si elle est utile et nécessaire. Extrait de Reporters et les Jours, des journaux indépendants. Alors moi, j'ai écouté ce matin un reportage sur France Inter sur une nouvelle façon de militer, dont une interview des Black Blocs. Grosso modo, il disait qu'on utilise l'émeute comme prélude à la révolution. Ça veut dire qu'il y aurait une sauvagerie qui serait nécessaire à la construction d'une civilisation, ou est-ce que la sauvagerie est nécessaire à la construction de la civilisation en opposition à... est-ce que nous, on a créé, avec le temps, une sauvagerie civilisée, une sauvagerie qui est acceptable? Alors, je vous parle de ces aspects-là, mais c'est des aspects dont on n'a absolument pas débattu hier. Voilà. Rien du tout. Assez peu. Pas du tout d'accord, non, c'est pas du tout vrai. Que justement, c'est complètement intrinsèque. Je veux dire, dans ces termes-là, on n'a pas discuté, mais on a parlé de la violence faite à la nature, qui était aussi une violence faite au peuple. Et à ce titre-là, on parle de la civilisation, cette question de savoir si la civilisation elle est sauvage, elle l'est. Historiquement, l'Occident s'est créé dans une espèce de sauvagerie effroyable vis-à-vis du non-Occident, même en intérieur, donc vis-à-vis des femmes. Mais plus largement, ça a été une violence extrême et qui continue. Je veux dire, si vous voulez aller demain au Ladakh en vacances, vous pouvez aller au Ladakh. Quelqu'un qui vient du Ladakh pour venir en France, c'est extrêmement difficile. C'est une violence qui est institutionnalisée, c'est une sauvagerie qui reste présente. Et ça, on en a parlé, évidemment pas explicitement sur cet angle-là. Et je pense qu'il faut arrêter de distinguer les deux. Ça a été évoqué explicitement hier matin comme un sujet qui est effectivement complètement imbriqué, quoi. Mais la question, c'est quelle est, à l'heure actuelle, la violence qui est acceptée, qui est à l'intérieur de nous. Oui, violence et la sauvagerie, c'est pas exactement la même chose. Et parler de violence, quand on parle d'extinction de la rébellion, c'est... Voilà. Alors là, non, c'était Black Bloc. Non, Black Bloc, c'est autre chose. Mais, on est passé...
Les cinq sont non violents, c'est le principe. Ils sont non violents, ils sont dans l'inégalité, mais ils sont non violents. Et c'est-à-dire que, par exemple, toutes les personnes qui sont dans l'inégalité ou qui sont violentées par le système d'État, mais qui ne veulent pas forcément être violents, et ben finalement, ils n'ont pas leur place dans l'extinction rébellion. Donc, l'extinction rébellion, c'est la révolution, mais très cadrée. On ne peut pas être des banlieues, parce que là, on ne peut pas être illégal et pas dans la, dans, hors de la violence. Donc, il faut qu'on soit déjà un peu blanc. Il faut qu'on accepte d'être cadré dans des structures dans lesquelles il n'y a absolument aucune démocratie. C'est quand même très particulier, comme système. Oui, après, il y a des groupuscules aussi, donc ça peut... Suivant où on se trouve, ils prennent un peu le format de là où ils ont émergé, en fait. Mais je suis assez d'accord, hein, mais c'est vrai que... Il y a des dissidences au sein de l'extinction rébellion. Mais oui, donc en fait, l'idée, ça serait d'en finir de cette séparation entre le sauvage lié à aux espaces et notre rapport avec l'espace, et la sauvagerie de l'homme, et arriver à trouver de quoi ça parle, en fait, de la même chose. Ouais, Project, qui était présent là, mais j'ai vu qu'ils n'avaient pas le livre, ils ont sorti un bouquin, j'arrive plus à me souvenir du nom de l'auteur, mais qui est super, qui s'appelle Le loup et le musulman, et qui fait ce rapprochement-là de manière assez frontale, et de manière très très intéressante, dans un tout petit livre, et c'est très intéressant.